Everything is set at La Scala del Calcio for the reigning champions to launch their title defence. On Saturday night, Milan host Udinese. One of the new faces in the Rossoneri camp, Yassine Adli, will add another dimension to Stefano Pioli's midfield. The Frenchman can't wait to make his Serie A debut. C'est une grande fierté d'être aujourd'hui dans l'un des meilleurs clubs du monde, le meilleur club d'Italie. Quand un club comme le Milan vous appelle, peu importe qui sont les joueurs, vous avez envie de... Je dirais que l'endroit où je préfère jouer, c'est sur le terrain, parce que le plus important, c'est de jouer. Après, voilà, je ferai en sorte de m'adapter au poste lequel le coach voudra m'utiliser, mais je n'ai pas de préférence, j'ai déjà évolué à énormément de postes. Puis voilà, c'est une de mes qualités, je sais m'adapter à différents postes, donc voilà, j'essaie de garder ça. Adli, who joined the Rossoneri from Bordeaux, is a deep-lying playmaker gifted with grace, dribbling skills and creativity, on and off the pitch. Ma passion pour la musique, elle est venue très tôt parce que mon père nous a inscrits avec mon frère et ma sœur au conservatoire de musique. Donc moi, dans un premier temps, j'ai fait 4 ans de violon. C'était plus ma sœur qui jouait au piano, mais voilà, je regardais avec elle. Et puis, j'ai toujours eu cette passion pour le piano et pour les instruments. The 22-year-old signing is a prime example of the recruitment strategy that has propelled Milan's return to glory. Sourcing young talent. It also adds extra French flair. Théo Hernandez. He's going all the way, Théo Hernandez! If they weren't already winning the Scudetto, they surely are after that! Et j'ai suivi tous les matchs de l'équipe la saison dernière. Oui, il y a des joueurs qui se sont démarqués, je pense comme Léao, comme Hernandez, comme beaucoup d'autres joueurs, mais je pense que c'est surtout le travail de l'équipe qui a fait la différence sur cette saison. On a vu beaucoup de joueurs très performants, je pense aussi à Pierre, avec qui j'ai partagé l'équipe de France de jeunes, qui a fait une grande saison également. Oui, c'est vrai qu'on a été formé au PSG avec Fodé et Mike. Mike, voilà, il est un peu plus vieux, donc j'ai pu le voir à travers les matchs. Quand j'étais petit, on allait les voir jouer. Et puis Fodé, oui, je l'ai un peu côtoyé, donc voilà, on se connaît un petit peu, mais on va pouvoir vraiment apprendre à se connaître ici. Et puis, c'est une bonne chose de retrouver des titis parisiens. Adli, like Ismaël Bennacer, Milan's talented midfield playmaker, has Algerian roots. And that's not all they share. Et je connais bien Isma, d'une part parce qu'on partage le même agent et puis voilà, on se connaît un petit peu. Je pense que c'est un grand joueur, probablement un des meilleurs milieux de terrain aujourd'hui. Brahim Diaz, in towards Olivier Giroud. Bennacer, splendid goal! Ce qu'il fait, c'est déjà très grand et je suis sûr qu'il peut faire encore plus et qu'il va montrer à tout le monde qu'il a une grande place dans ce monde du football. It's not easy to stand out in Italy's top flight. But Adli, whose second name is Zinedine, just like his childhood idol Zidane, has the makings of a fan's favorite. Zidane est un des joueurs que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup regardé. Après, voilà, pour mon expérience personnelle, je sors quand même de 3 ans à Bordeaux avec 100 matchs en Ligue 1. Ce qui n'est pas rien, donc ça veut dire que j'ai quand même acquis un peu d'expérience. Maintenant, j'arrive dans un club totalement différent, avec un groupe aussi de joueurs totalement différents. Donc voilà, il faut déjà s'acclimater à ça, faire en sorte de répondre rapidement aux besoins de l'équipe et de l'entraîneur pour pouvoir aspirer à une place sur le terrain.